bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de notre incroyable aventure horrifique avec Leon S. Kennedy. On avait pas mal de petites choses à faire. C'est possiblement, et même sûrement d'ailleurs, la dernière fois qu'on peut aller au rez-de-chaussée. J'ai acheté quelques petits jetons en or. Je me suis... Ah, j'ai dépensé sans compter, c'est moi qui vous le dis. Et... Amuse-toi, d'accord. On va voir... Ok, il n'y a pas de nouvelles épreuves, donc on va pas les faire. J'ai pas envie de vous blaser avec. J'essaierai de les faire en S quand je serai dans ma partie solo au calme. Alors, bougez pas. Normalement, si tout va bien, on peut faire ceci. Donc c'est parti, on va tirer. Ah, dommage. Ça a pas l'air fou, hein, on les a déjà eu. Et il me manque de quoi prendre une pièce. Donc vous savez quoi, on va se faire plaisir. On va aller l'acheter chez le marchand, évidemment. Et on va de ce pas retourner la mettre en espérant avoir quelque chose de fou. Bien. Alors, hop, en quoi puis-je t'être utile? Voilà, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Et on est reparti. Je suis désolé, j'avais mal fait le calcul. Et résultat, il me manquait une petite médaille. Et je pense que là, on s'approche grandement de la fin. Et ce Resident Evil est vraiment le Resident Evil le plus long. Il est exceptionnel. Quel jeu de fou furieux. Création bonus fusil. Ouais, bon voilà, ouais, c'était pas fou, c'était pas fou. Les médaillons en or, ils augmentent la chance d'avoir des dingueries, mais c'est pas... C'est pas ça qui est ça. Allez, c'est parti, on continue. En vrai, est-ce qu'on a des choses à acheter, pour le coup? Bienvenue. Je ne pense pas, hein. Ouais, 2000 pesetas, j'ai déjà tout dépensé, je me suis fait plaisir à la fin du précédent épisode. Le couteau est maxé, le gilet est maxé, le pistolet est maxé, la TMP est maxé quasi, le sniper est maxé en dégâts, le Broken Butterfly aussi. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à finir, j'ai envie de vous dire. Ok. Quoi? Ok. Eh ben écoutez. On va essayer de viser avec précision. Allez, allez, allez. Il est plus là? Ok, il a plus là. Je suis presque. J'arrive, Ashley. Il y a des lasers. Major laser. Ah, oh, je me suis chié dessus, putain de merde. Oh là là, j'avais oublié qu'il se transformait en caca là, de bonne couleur. Caca de mauvaise augure. Oh, je t'ai vu toi là-haut. Ok. Ok. Ça demande énormément de précision, mais bon. J'ai été sniper une période de ma vie. Je le touche depuis tout à l'heure, faut le savoir. Ouais, je suis monstrueux. Allez, c'est parti. Hop. On est bon. Ok. Il y a quelque chose qui a explosé, mais je ne sais pas c'est quoi. Oh, wow. Y'a un insecte qui kéblo sa mère. C'est quoi ça? Wow! Wow! C'est impressionnant! C'est impressionnant ça! Ok. Acuyento! Acuyento! Excusez-moi de cette expression, mais il va falloir penser à sucer mes couilles! Ça, j'en peux ça. Bordel qui kéble en haut, sa mère. Vache. Il est où le man? Blague.
C'est une blague, ça le touchait pas. Ok. Caca culotte. Il est plus gros que les autres, lui. Heureusement qu'il leur faut peu de munitions, je dirais deux. Deux hors-taxe. Oh, putain. Attendez, on va essayer de lui casser la gueule directement en hauteur. Ok. Bon bah écoutez, tout cela est plutôt pas trop mal. Bon, eh, en vrai, on s'en est pas trop mal sorti pour le coup. Ok. Et ben ça c'est pas mal ça aussi. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal ça aussi. On a eu tout ce qu'on voulait ici. On a eu tout ce qu'on voulait ici, superbe. On va juste descendre parce qu'il me semble avoir vu des petites munitions de pistolet. Ça c'est pour le plaisir. Ah, ça abîme mon cut d'ailleurs. Non, même pas, superbe. Et ça, ils y avaient déjà pensé à l'époque, hein. Utiliser un coup de couteau pour refermer le piège. Même si je n'essayais pas dans la vraie vie, c'est un coup à y laisser sa main. Ça restait quand même... ça restait quand même bien pensé. Je l'ai vu là-haut. Quoi ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh. Alors Ok, ça c'est pas mal. Oh non. Wow. Ça swing ça. Ouais, je distribue des petites Michel à gauche à droite. Hop, toi t'es mort. Voilà, superbe. Il attendait juste que je recharge. C'est plutôt un gars sympa. C'est plutôt un chic type. Ok, pas mal. Hop, micro cascade. Ah. Alors attendez. Ça on prend. Superbe. Ça on prend. Superbe. Oh, il y a de l'herbe rouge, hein. Là, on va se faire des petits plaisirs sans fin. Une herbe classique. Hop. Il y a beaucoup plus d'herbe qu'il n'en faut, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est très, très bien comme ça. On peut rien faire encore. Ok. Ok, ok, ok. Et là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. On va garder le bidon au cas où. Ça peut être toujours utile. Wesh. Ah. Ah. Ok, venez les potes. Ok, ça c'est pas bon ces histoires. Là. C'est une pression. Oh.
pas le temps pour tes conneries. Tu n'as pas le level. Oh la vache. Oh non. Mec, wow, toujours plus, frère. Eux, ils sont énervés en plus, hein. Eux, c'est les plus énervés. Oh là là, allez, gros. J'allais y aller. Allez. Toujours pas, hein. Oh la vache! C'est chiant, putain! Merde! Oh! Terrible, hein? Ok. Bougez pas, comment ça va se passer cette connerie? On va tout simplement aller là. On va tout simplement aller... Ah, j'ai plus de trésor à sortir, très bien. Non, j'ai pas vendu la couronne. J'avais fait une bêtise. J'avais pas débloqué une couronne. Ah non, je crois que je l'avais sorti instantanément. Ok, ok, non, c'est bon, c'est ok, normalement, c'est ok. Ce qui m'embête, c'est... C'est pas ça. Ce qui m'embête, c'est... J'espère qu'il y aura un autre vendeur un peu plus loin. On avait quelques tonneaux pour s'en sortir plus facilement, mais enfin, vous savez que moi j'adore le challenge. Ok, très bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? En vrai ça? Voilà. Et ça on va attendre un peu, on va se faire des balles de peupon quand on pourra. Ok, superbe. Superbe, superbe, superbe. Et là, on avait aussi un autre truc en haut. On va essayer d'y passer. Et voir un petit peu où cela nous mène. Sachant que des mecs sont venus par là. Très bien ça. Très, très bien ça. Oh, 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 oh. Bien ce que je pensais. C'est un petit peu de poudre, mais enfin, écoutez... Mieux que rien. Mieux que rien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Plus rien. Eh ben, écoutez, on va continuer. On va continuer, les amis. On s'en sort plutôt très très bien. Là, il y a un autre clocher. Attendez, c'est ce clocher-là qu'on voyait au loin depuis le village? Non. Quand même pas. Oh, bien. Oh bien. Par contre deux herbes roses, j'en fais pas grand chose les gars. Parce que ça ne se combine pas. Ok, on y est bientôt. Ouais. Vous croyez que ça passe sur un malentendu? On essaye de checker les côtés du sanctuaire. Ok. Alors, on va reload tout ça. Let's go. Alors, retrouver Ashley. Retrouver Ashley, je veux bien. Aïe, Adam. Là, il n'y a rien à faire. Là-bas, il n'y a rien à faire. Donc, Ashley est forcément en train de prendre sa part là-haut. Ok, super. Ashley! J'examine au cas où, j'en ai marre de me faire bzao. Attends. Pas de coffre, rien. Oh, ça sent la misère.
Ça sent la misère. Te voilà, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux simplement partager ce don avec le plus grand nombre. Un humble désir, n'est-ce pas ? Vois-tu, nous sommes tous liés par le corps sacré. Maintenant, ta chair, tes os, toutes tes pensées font partie intégrante de nous. Va chier ! Pourquoi rejeter la sérénité alors qu'il te suffit d'accepter ce don sacré ? Comme elle l'a fait. Sangler ! Ah oui, l'heure est venue pour cet agneau de s'unir à nous. Oh, qu'il soit béni, reçoive la douce miséricorde. Exultons, et qu'il en soit ainsi. On doit aller au laboratoire. Ça y est, c'est le moment où on va enfin se retirer cette merde-là. Ok. Laboratoire B. Ça devrait être par là. On a de la chance que le labo est à côté du sanctuaire. Sinon, on n'était pas dans la merde. Ok, c'est bon. Je trouve que ça vient bien plus tard dans le jeu qu'avant. Par contre, cette phase-là, on ne l'avait pas, hein, vous l'aurez compris. Okay. Encore une fois, amusez-vous à regarder l'ancien Let's Play sur Resident Evil 4. Il y avait des phases dans les mines qui étaient assez folles. Oh putain, je deviens fou. Ok. Il y a de l'eau en haut. Allez, hein. Allez, mon Leon. On y va maintenant. Ça va les gars? J'aimerais pas qu'on m'accueille comme ça tous les jours. C'est donc ça quand on a Las Plagas à son nom. What a secte! Putain de merde! Ok, on dit bientôt les amis. Ah non? C'est pas le moment, Léon. Voilà. Ah, Louis. À jamais dans nos cœurs. Oh, lumière à détecteur de mouvement, ça me plaît. Cette fois, ce sera différent. Allez, on y est bientôt. Commence par toi. Non, pas question. Je te l'ai dit. Je vais te ramener chez toi. Ça va aller.
Ah ça je reconnais, c'est par onde électromagnétique. C'est totalement con, hein. C'est une secte qui a un laboratoire pour purger au cas où t'es contaminé pour rien. Mais... Oh non, comment tu vas la... Comment tu vas le soulever, Ashley? Oh, c'est des problèmes. Chapitre terminé. Bon. Une mort. 132 ennemis tués, c'est assez insane. 80% de précision, c'est encore plus qu'exceptionnel. Allez, on save. Let's fucking go. On y va. Ashley. Ashley. Je suis là. J'ai cru que t'allais mourir. Ça va. Ah, on voit pas le passage ou... Ok. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ouais, c'est moi. Tu peux te lever? Un plan? Ouais, j'ai trouvé ça. Apparemment, on peut sortir en allant par là. Hé, on est une équipe, non? Continue comme ça, et je perds mon job. Oh, Léon! Léon! Chapitre 16. L'élimination des parasites, c'était... Louis? Ouais. On est vivant. Grâce à lui. S'enfuir de l'île. Très bien. Ok, donc des composants informatiques. Oh, l'équipe de choc du 6e labo européen, évidemment, vu qu'on est en Espagne. Attends, est-ce que sur la photo, on reconnaît quelqu'un? Ah bah, il y a Louis. Il y a Louis en plein milieu, d'accord. Trop bien, ça. Méthode d'éradication des plagas. Il y a deux moyens d'éradiquer les plagas, l'injection d'antigène et l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite n'a pas encore éclos, il est possible de l'éliminer en administrant un antigène directement dans le corps. En revanche, dès lors que la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand-chose à faire, à part ralentir la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à cibler et tuer le plaga en utilisant des rayonnements d'une certaine longueur d'onde. Mais l'opération comporte des risques. Si le parasite s'est accroché au système nerveux de l'hôte, ce dernier subira une douleur atroce. Et il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. L'extraction chirurgicale comporte des risques importants, même avant que le parasite ait fini de se développer. Une fois arrivé à maturité, il est trop tard. Extraire le parasite signifie la mort de son hôte. Mais vu ce qui attend, de toute façon, la mort est peut-être un moindre mal. Ok, ok, ok. Des petits sprays de premiers soins. Les intentions de Sadler. C'est une erreur de croire que les plagas ne sont que des outils servant à créer de puissantes armes biologiques. Leur véritable valeur réside dans leur capacité de contrôle. Quelle que soit la résistance du sujet, il suffit d'une seule injection pour transformer n'importe qui en un fidèle serviteur, qui a besoin d'espions quand il est possible de transformer l'ennemi d'hier en allié d'aujourd'hui. Contrôler ne serait-ce qu'une seule personne importante peut suffire à mettre une organisation, voire un pays tout entier à genoux. La production de masse de l'espèce supérieure a rendu cela possible. Nous avons donné ce pouvoir à Sadler. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il compte faire. Que se passerait-il si Sadler prenait le contrôle du monde? 6 milliards de loyaux serviteurs à sa botte. Bon, maintenant on est 7 milliards. Il n'y aurait ni résistance ni guerre. Peut-être que la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde connaîtrait la paix. Mais je sais combien Sadler et les autres ont oppressé les habitants de cette île durant des générations. Je sais comment ils les traitent, ce n'est pas une vie, et il est hors de question que je le laisse faire. Ok. Y a de la petite grenade. Allez, viens, bichette, on se casse. Oh. Cet échantillon que j'ai appelé l'ambre est resté longtemps à prendre la poussière dans la réserve. Comme nous avions déjà bien assez d'échantillons pour nos expériences, celui-ci est passé inaperçu. À vrai dire, la seule chose qui m'a poussé à le ramener à mon laboratoire, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai vite changé d'opinion. L'ambre possède une qualité tout à fait unique. Bien qu'il soit petit et dans un état biostase,
Il contient le même organe que celui trouvé dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler. Une fois pleinement développé, l'ambre pourrait égaler, voire surpasser la puissance de Sadler. Malheureusement, Sadler a récupéré l'ambre avant que je ne puisse faire de plus amples recherches. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer mes recherches ailleurs. C'est le seul moyen contre Sadler. Évidemment, je ne pense pas non plus que ce groupe venu de l'extérieur soit digne de confiance, mais je ne peux plus vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. Ok. Hop. J'en connais un qui s'est servi dans les labos d'Umbrella. Ok. Ah, des masques, ça c'est pour le Covid, je reconnais. À propos de notre arrangement, de Louis, j'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit et l'heure convenue. Juste pour être sûr, tu vas me faire sortir d'ici si je te donne la marchandise, hein. AW, donc Ada Wong. J'espère que tu n'as pas oublié l'ambre. Sans lui, les données ne servent à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant. Alors, fais en sorte que je ne reparte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère. Louis qui répond, détends-toi, je n'ai pas oublié. Et ne t'en fais pas pour l'ambre, je vais faire ce qu'il faut. Tu pourrais me prendre un paquet de cigarettes en chemin. N'importe quelle marque, pardon, fera l'affaire. Ok. Et donc, on a fait, je crois, tout le tour de ce qu'il y avait à lire. Évidemment, let's go. Un vendeur, ça ferait plaisir pour clôturer tout cela. Oh. Oh. Allez, viens. Désolé. Je t'ai dit, on est une équipe. Voilà. Allez, fais-moi tomber ça. T'as pris le coup de main. T'as vu ? Attends, bibiche. Moi, je vais tout fouiller. Hein. Tu me connais pas, toi. Hein. Tu me connais pas. Ah, oh. Oh, non. J'ai loupé un truc au sanctuaire. Mais comment on peut y retourner ? Mais ça n'a pas de sens. Quelle est cette fumisterie ? Comment j'ai pu louper un truc au sentier, sachant qu'on peut pas y retourner ? Bizarre. À moins qu'on passe au-dessus du sanctuaire, je ne sais pas. C'est quoi ça ? Un petit bleu velours des familles. Ah, j'ai jamais été aussi bien. Tant mieux. Ok. Ça, je prends. Alors, encore une fois, je peux prendre effectivement la M4, l'arbalète, le lance-roquette, mais j'aimerais finir le jeu avec les armes qu'on avait à l'époque, parce que ça, c'était le feu. Tout est en ruine. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien ? Oh, je m'en fais pas pour elle. Ah. Ah. Ok. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. On dirait que tu la connais bien. T'es jalouse, Ashley ? Dis-moi. Ok, les amis. On va... Wow, je me suis chié dessus. J'allais dire, on va pas tarder à s'arrêter là. Forcément quelque chose là-bas. Je connais le jeu. Je connais les level designers. Y'a rien. Ah si. Si. Attends, coquine. Là. Quoi ? C'est pour aller à la suite ? Ah non, bah non. Non. Ça ne me plaît pas forcément. Ok. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. On va aller récupérer le trésor. Et je pense que le prochain épisode sera le dernier. Étant donné qu'on doit s'enfuir de l'île. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye.